direct de chez toi. C'est qu'il fait pas chaud, hein. Hein. Ok. Alors si, et par contre, le monsieur a pris peur, il a fait un écart. Et Jean-Jean, oui. Je te rappelle que si tu te fais arrêter par la police et que tu vas en garde à vue, ça annule tout. Ah. Allez Jean-Jean, tu donnes tout ce que tu veux. Ok, qu'est-ce que je fais? Ce que tu veux. Un chant pour l'ASM, tiens. Ok. Sur un air de Bella. Ah oui. Je peux te faire ouais. Akeruchu. Ouais. Oh putain. Akeruchu. Merci. Pour toutes celles et ceux qui veulent voir Jean-Jean chanter, pour nous situer, on est à côté de la station Avia. On se pèle les miches, il fait moins tous. Boulevard Étienne Clémentel. On est au bord de la route, là, tranquillement installé, avec Jean-Jean qui chante. Et les... Qu'on a... Guillaume, il est où? Il est où, Guillaume? Je suis là. Qu'on appelle les habitants de Rion? Les Rionnois. Les Rionnois qui ont peur de Jean-Jean, car ils font tous des écarts. Ils vont tous se regarder. La prochaine voiture qui passe, promis, je l'arrête, les amis, et je demande à la personne. Ah bah, allez, faut qu'on se mette au milieu de la route. Qui klaxonne au moins. Vas-y, Jean-Jean, chante en attendant. Gendarmerie nationale. Like a wrecking ball. Est-ce qu'il va s'arrêter? Ça va faire un écart. Ils veulent pas s'arrêter, monsieur. Personne s'arrête en fait. Oh là, ils ont peur, les gens, ils ont peur de toi. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut que je me mette nu comme Miley Cyrus. Bah non, dans ce cas-là, on aurait pris une pinote. On va aller au feu, il y a un feu plus loin. Comme la grosse Miley. Tu vas aller au feu? Ouais. Bah tiens, prends le micro de Jean-Jean, je vais prendre un blouson parce que j'ai froid. Ah, ils ont arrêté une voiture, bouge pas Loïc. Alors, ça va pas du tout, ils écoutent Radio FG. Aïe aïe aïe. Alors ça va pas. Qu'on puisse faire notre retour. Okay. Il n'y a pas vraiment de l'argent en plus. Alors, je vous explique, si la scène est juste surréaliste. Hein. Ils ont, bouge pas Loïc, on revient. Hein, mais... Il roule la portière ouverte, le mec est complètement fou. Ils ont arrêté une bagnole au feu rouge, ils sont en train de le racketter pour avoir de l'argent. Et il y a Jean-Jean qui a sorti la guitare qui chante. Chante. Attends, va le voir Jean-Jean, va le voir, va chanter. Il chante pas beaucoup. C'est quand même mieux que de se faire laver les carreaux, non? Et Jean-Jean, tu lui prends de la thune, d'accord? Alors qu'il est parti voir les gars. Les mecs sont arrêtés au milieu de la route, portière ouverte, et Jean-Jean va chanter, mais je peux pas aller le voir parce qu'on capte plus là-bas. Ouais, t'es obligé. Ah, c'est énorme. C'est génial. Bon, Loïc, tu sais quoi? On va demander un petit peu l'avis des gens, savoir ce qu'ils en pensent, et puis on va revenir en direct sur Radioscope, d'accord? Fais le foufou à vélo, monsieur, là. Allez, reste avec nous. Loïc, si vous voulez filer un coup de main à Loïc et nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Loïc, voilà, il a fait un peu cocu sa chérie, ça fait 4 mois que ça s'est passé. Un peu cocu. L'eau a coulé sous les ponts, il aimerait savoir si. Oui ou non, il y a moyen de retenter le coup. Et comment s'y prendre dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous en pensez? 04 72 85 8000, facebook.com/EdenRadioScoop, SMS 06 44 300 400. N'oubliez pas qu'on vous file le permis de conduire toute la semaine. Donc allez-y, appelez-nous. Jérôme. Oui, non, mais je disais que t'as bien choisi encore ton expression. De l'eau a coulé sous les ponts. Mais pour une histoire de cocu, ça serait bien. Mais c'est lui qui a dit ça, mais j'y peux rien. L'équipe de nuit avec Guillaume.